Yo tout le monde, c'est Tifosi ou Tifo pour faire plus court. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, sur Black Ops 2, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal retourné sur les anciens Call of Duty, tels que Code 4, MW2, MW3. Mais je me suis dit que voilà, il y avait quelque chose qui me manquait sur ces anciens Call of Duty. J'étais pas assez à l'aise avec les snipers, donc je prenais pas tellement mon pied. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit comeback. Sur BO2 et puis en plus bon vu qu'il y a le nouveau pack qui va sortir le 27 août, je me suis dit bon, faut que j'essaye de me remettre à niveau, comme ça je serai bien OP pour le pack, j'aurai retrouvé un peu mon level. Et au début j'ai vraiment cru que j'allais galérer, que en gros j'allais louper toutes mes balles, etc. Mais en fait ça a été parce que bon voilà, j'ai l'impression que le balista c'est un peu comme le vélo, quand on sait en faire ça s'oublie pas, voilà. Et c'est vrai que, bon, voilà, dans ce gameplay, vous verrez par vous-même, bon, c'est une MME sur Raid, et j'ai fait un petit clip dessus. Alors, franchement, le clip, je m'y attendais pas. Alors, attendez, je crois que c'est là. Ah ouais, voilà, le clip, mais pff, je m'y attendais vraiment pas. J'ai honnêtement, la collate, mais pff, comment elle est passée, bien crème. Honnêtement, j'ai eu de la chance, quand même. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'étais même avec, sur Skype avec Neutral, donc coucou à toi. je sais pas, j'ai un peu crié quand même. Même si c'est une quad feed, je sais que c'est pas top une quad feed. Voilà, c'est pas waouh, c'est pas exceptionnel. Mais c'est juste que voilà, la collate, mais bouh, je m'y attendais pas du tout. Et j'avoue que ça fait plaisir. Or là, au moment où je tourne la vidéo, ça fait que 2 jours que je me suis remis à BO2. Alors que ça faisait 2 semaines que j'y avais pas joué, donc bon. Et j'ai quand même mis 2 clips. Donc bon, voilà, vous savez déjà le deuxième clip. Mais le jour d'avant, enfin hier, j'ai mis aussi un clip. Mais bon, je vais peut-être pas vous spoil parce qu'il est quand même assez bien. Vous pourrez le voir dans Lonely Wolf. Donc on vous réserve la surprise parce que sinon c'est pas marrant après. Si on vous spoil le tout, c'est pas super marrant. Et au fait, aussi, on s'est aperçu d'un truc avec Neutral. C'est qu'en fait, le montage, il pourrait peut-être durer plus de 5 ou 6 minutes, hein, un peu plus que ça. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon, voilà, moi, c'est... Si le montage dure plus longtemps, limite, voilà, c'est... Si vous aimez bien le montage, c'est tant mieux pour vous. Moi, si le montage, il dure très longtemps, c'est pas grave. Si c'est bien, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Alors... Ensuite, oui, bon, on va parler un peu peut-être de la MME. Or, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de MME. Et en fait, j'en faisais beaucoup en groupe, genre groupe de 4, 5 ou 6. Et en fait, je me suis aperçu que même tout seul, voilà, la MME, c'était vraiment tranquille. Franchement, on est pépère. Moi, j'aime bien les gens qui jouent en MME. Enfin, je sais pas, ils se prennent pas la tête, ils campent pas tous dans un coin. Bon, c'est sûr qu'il y a des parties, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, honnêtement, ça va dans l'ensemble, ça c'est cool. Il y a un bon esprit. Bon, vu que ça joue juste pour les kills, il n'y a pas trop de campeurs, vu qu'il n'y a pas d'objectif. Mis à part de faire le plus de kills possible pour gagner la partie. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, moi, je trouve que ça joue vraiment bien. Et puis même tout seul, il y a moyen de faire quelque chose. Bah, regardez mon clip, là, je l'ai fait tout seul. Et puis voilà, bah, je sais pas. J'adore franchement ce mode de jeu, je vous le conseille fortement. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a les préjugés de la MME, oui, les spawns sont pas fixes, etc. Voilà, les spawns, vous pouvez quand même en profiter, parce que des fois, ils sont fixes, mais voilà, c'est sûr que c'est pas aussi fixe que la Domi, ça, c'est sûr. Ils sont fixes, mais pas longtemps, en fait, voilà, faut pas torcher trop le spawn, sinon, c'est pas possible. Sinon, vous arriverez pas trop à mettre de clip, ça va pas être trop possible. Donc, c'est pour ça, quand vous jouez à plusieurs... Bah, je vous conseille d'aller au spot, mais pas trop longtemps non plus, parce que sinon après ça va changer de spawn trop rapidement et ça va être vraiment galère. Donc c'est pour ça, si vous jouez à MME, je vous conseille d'y aller juste une fois et après vous laissez, je sais pas, vous écartez, vous laissez le temps que ça respawn et après vous pouvez y retourner. Là ça marchera tranquille. Donc voilà, alors attendez. Ouais, bah je crois que la vidéo va... Ouh, peut-être... Petite triple feed, c'était pas mal. C'est vrai qu'aussi dans cette partie, voilà, j'ai fait double feed headshot juste avant. C'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités en MME. C'est vrai que
a pas mal de choses à faire. C'est vraiment un mode de jeu où, voilà, il y a des choses à faire tout le temps. Toutes les 2 secondes, il y a de l'action. Il y a des choses qui se passent. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment ce mode de jeu, c'est qu'il y a vraiment de l'action, pas trop de campeurs, donc c'est vraiment un mode de jeu excellent. En plus, bon, des fois, on va pas se le cacher, des fois il y a des mecs, ils viennent juste de s'acheter le jeu, hop, qu'est-ce qu'ils lancent direct MME, donc bon, c'est pas trop difficile de les tuer, donc voilà. Donc, bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve à bientôt pour peut-être une vidéo sur BO2, vu qu'en ce moment, ça me plaît bien de jouer à ce jeu. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!